Avec une petite visite insolite, effectivement, de la capitale libanaise, qui est devenue, j'allais dire, presque un temple du street art. Exactement, d'où cette visite insolite. C'est vrai qu'on connaît Beyrouth, on sait que c'est la capitale libanaise, lieu de nombreux conflits et guerres civiles, mais c'est aussi une ville emblématique du graphe et du street art. Alors évidemment, sur les murs de Beyrouth, mais qu'est-ce qu'on va voir? On va retrouver des courants qui viennent du Proche-Orient, on va retrouver aussi du street art d'artistes qui viennent du monde entier, parce qu'elle est tellement devenue emblématique, cette ville, pour les street artistes, que ça va devenir un pèlerinage. Alors on va retrouver sur les murs, finalement, pas vraiment de colère, pas trop de contestation. On ne parle pas de guerre, on ne parle pas d'immigration. Non, on a juste envie de laisser exprimer une certaine rêverie, une vraie liberté. On a envie de dire ce qu'on veut et de dessiner ce qu'on veut. Et c'est ça qui est très intéressant. On va prendre conscience que c'est une ville-monde. Et puis, d'une certaine façon, une ville qui rebondit par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre avec un certain mécanisme de défense, l'humour, je vous disais, la rêverie, l'art. En tout cas, c'est ce que nous ont expliqué les street artistes de Beyrouth que nous avons rencontrés. À chaque fois que l'on parle du Liban, soit on va parler de l'après-guerre, soit on va parler des problèmes politiques, ou soit on va parler de la jet set, des pop stars, etc. J'ai rien contre, mais il y a autre chose. Il y a une culture underground, il y a des jeunes qui dessinent, qui dansent. Pour moi, Beyrouth, c'est un bâtiment criblé de balles, mais recouvert de jolies fresques, recouvert de dessins, recouvert de couleurs. Ça peut être violent des fois, mais il y a aussi de la joie, il y a aussi des rires, il y a aussi des larmes. Beyrouth, c'est comme notre muse. Mon frère jumeau et moi adorons cette ville. On a traversé beaucoup de conflits, de hauts, de bas, mais nous n'avons jamais cessé de l'aimer. Et c'est pour cela que nous adorons la peindre, pour l'embellir, pour couvrir les impacts de balles. Beyrouth, c'est toute notre vie. C'est vraiment tout pour nous. Il y a toujours un message derrière notre art. Nous parlons de cette société de marionnettes où personne n'est libre, où tout le monde est sous contrôle. Le graffiti au Liban est assez toléré. Qui va embêter des gens qui sont en train de redécorer la ville? Qui va embêter des gens qui vont transformer un mur criblé de balles à moitié détruit en une œuvre artistique? Personne. Sur les murs de Beyrouth, on va retrouver plein de singes. Est-ce que tu peux m'expliquer la signification de ce personnage? Il est apolitique et religieux. Il est ni chrétien ni musulman. Il ne représente pas un parti ou un autre parti. C'est quelque chose qui me représente à moi et qui fait partie en fait de mon histoire que moi je partage avec les gens dans les rues de Beyrouth. Aujourd'hui, vraiment un lieu que j'aimerais beaucoup m'approprier, ce serait l'espèce de cinéma qu'il y a en plein milieu du centre-ville, la grosse boule. L'histoire qu'il porte, les impacts de balles, les morceaux de murs qui sont détruits. En fait, les lieux ont été abandonnés comme si les gens étaient assis, ils sont partis et l'immeuble, il est en ruine, en fait. Mais ces stigmates, justement, ces traces qu'on va trouver sur les murs, toi, tu vas en faire quoi? Tu vas les utiliser? Aujourd'hui, quand je peins et que j'ai des espaces comme ça, j'aime à respecter le support sur lequel je suis en train de peindre. L'idée à travers ça, c'est aussi de faire que les gens portent un nouveau regard sur ce mur. À partir du moment où moi je m'approprie ce mur et que je pose ma pièce dessus, peu importe si j'ai un message direct ou si je suis juste en train de mettre des couleurs, je fais en sorte que les gens regardent ce mur différemment. Il y a un style au Moyen-Orient et dans le monde arabe qui est le calligraphy. C'est le graffiti en calligraphie arabe. Donc il y a tous ces différents styles-là qui s'entremêlent. On peut passer du jour à la nuit, de l'enfer au paradis, et les deux en même temps, des fois. Et beaucoup d'entre eux sont nés pendant la guerre, oui, en fait. Alors ils ne renient pas ce passé, effectivement, de conflit, ce passé terrible, mais je veux dire, ils tournent la page, oui. Ils l'habillent un peu. Exactement, ce c'est vraiment une forme de résilience, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser bien ces impacts de balles, ces trous d'obus dans les murs, ils vont s'en servir pour dessiner, pour créer quelque chose, en tout cas pour raconter une autre histoire, leur histoire,
Et ça, oui, parce que c'est vrai qu'avant eux, une autre génération a décidé de laisser ces immeubles éventrés. Et c'est ce qui a fait la gloire de Beyrouth culturel, comme ça, en l'état après la guerre. Merci, merci beaucoup, merci. Julia, pour ce petit voyage effectivement très insolite à Beyrouth, nouvelle capitale du street art et souriante avec cette population jeune. Allez,